Elles ne sont plus que trois. Nous sommes à la demi-finale pour les Hunger Games of Sims des princesses Disney. C'est parti! Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien et que vous avez lancé vos pronostics pour, eh bien, cette demi-finale entre ces trois princesses qui restent, deux blondes, une brune. Est-ce que le suspense est là? Oui, quand même, parce que, bon, on le sait, Belle, elle a beaucoup flirté avec le malheur et finalement, elle s'en est toujours sortie. Celle qui a été peut-être le moins en danger, je ne sais pas s'il y a vraiment une qui a été vraiment le moins en danger. En tout cas, aujourd'hui, on va les déterminer avec du fitness. Ouais, le fitness avec le mur d'escalade. Et oui, la première qui tombe sera la première éliminée. C'est rapide, c'est simple, c'est facile. Il faut avoir une bonne endurance et surtout savoir affronter les choses pour pouvoir devenir la princesse du prince Disney. C'est tout simple, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est la demi-finale. Let's go! C'est parti, les candidates sont en tenue. Oui, oui, bon, je savais pas trop quoi mettre en tenue de sport. Je me suis dit, la petite tenue de patinage artistique, ça reste une petite robe avec des petites paillettes, c'est des princesses. Donc voilà, elle, eh bien, elle a la plus neutre parce que sinon j'allais confondre les deux blondes avec du bleu, donc voilà. Alors que Belle est en orange parce qu'on n'avait pas de jaune, et puis bah voilà, hein, elles sont mignonnes, elles sont adorables et elles vont commencer le mur d'escalade. OMG, on va faire grimper... avec une inclinaison, avec une légère inclinaison, on va faire ça, je pense que c'est pas mal, histoire de les aider un petit peu. C'est parti les amis, donc je vous préviens les filles, la première qui tombe, eh ben c'est fini pour elle tout simplement, hein. Donc ne faites pas de bêtises, moi je vous observe. Tous les abonnés vous observent, il y a des pronostics, il y a des préférés et tout ça, moi je le sais, hein, je vois les commentaires, donc ne les décevez pas. De toute façon, il y en a une qui va perdre, donc elle décevra ses fans. C'est comme ça. C'est parti! Elles partent toutes en même temps, et ça c'est un vrai kiff, parce que sinon s'il y a un décalage, je suis obligée de prendre en compte. Ah oui, ça se joue en même temps. Ok, c'est très très bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y en a... J'ai peur parce que je me dis, il y en a une déjà qui va tomber et puis ça sera... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Elsa, Belle, bah, elles ont toutes été en difficulté pour l'instant. Tout va bien. Elles arrivent à grimper. Oh là là, retenez, hein, parce que sinon, ne vous faites pas avaler par la machine. Quoique ça pourrait être une mort automatique, au moins je n'aurais pas à le faire. Mais bon. Suspense est là.
Ouh là 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 là. Et alors, la synchro entre Belle et Cendrillon était magnifique, et elle l'est encore. D'ailleurs, c'est superbe de voir ça. Moi, je suis fan. Oh là 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 là, Cendrillon, Cendrillon. Alors, moi, je serais plutôt pour Belle, parce que c'est la seule brune. Après, comme ça, il y aura un duel brune-blonde. Au moins, c'est ça. Mais qu'il y ait une des deux blondes qui doit partir. Ce serait beaucoup plus sympa. Après, je n'influence en rien. Hein. Elle débute toutes les trois l'escalade. J'ai remis à zéro leur compétences en fitness, puisque sinon c'était un certain avantage, mais là, bah écoutez, c'est... Ouf, ouf, ouh là 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 là. C'est équitable. Laquelle va perdre ? Aïe 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 aïe. Je n'arrive pas à savoir laquelle est le plus en difficulté sur les trois. Et à chaque fois, j'en vois une qui tombe un peu plus, là, ça me fait un peu peur, mais... J'ai l'impression que Cendrillon s'en sort un peu mieux, là. Ouf. Après, ça devrait être automatique, là. Allez, on grimpe, on grimpe. Aïe, 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 aïe. Eh ben, écoutez, pour l'instant... nickel pour les trois. Aucune des trois n'est tombée. Donc, on va recommencer. Je vais grimper en inclinaison verticale. Toi, tu vas aller nager, c'est non. Grimper avec une inclinaison verticale. Et toi, tu veux aller voir la plante vache, c'est non non plus. Et grimper avec une inclinaison verticale. Allez, les filles. Il n'y a pas à tergiverser. Cendrillon. Parce que là, elle se met en retard. Et après, moi, je vais devoir compter. Parce que si elle tombe à quelques secondes d'intervalle... Voilà. Oui, donc la première à avoir commencé, c'est Belle, puis Elsa, puis en dernier, Cendrillon. Donc Cendrillon a quelques secondes de retard. Donc si deux tombent en même temps, faut que je prenne ça en compte. Et ben voilà. Nous avons une perdante. Il n'aura pas fallu attendre beaucoup. C'est Belle qui perd. Mais moi, il ne faut pas que je sois pour quelqu'un. Cette édition-là, ça ne marche pas. Autant Game of Thrones, j'étais à fond pour Daenerys. Et c'est elle qui a gagné. Je m'y attendais pas, je n'ai pas influencé, mais là... Eh ben écoutez, ce sera un duel de blondes. Non, 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 c'est fini. Bah écoute, c'est fini, hein, tu as perdu. Donc, voilà, voilà. C'est fini, les filles, vous pouvez arrêter. Eh ben, tu as perdu, ma cocotte, c'est comme ça. À ce que je vois, tu as déjà été mangé par la plante vache, puisque nous avons quelques plantes vaches ici. Eh ben écoute, ma belle, toi qui voulais absolument des roses, qui était obsédée avec les roses, eh ben ce sera une belle occasion de mourir par les plantes, puisque tu vas pouvoir manger le gâteau de la plante vache. C'est triste. Mais c'est comme ça. C'est les Hunger Games of Sims. Belle a perdu, Belle est éliminée. Et la faucheuse est déjà là, donc ça veut dire que ça a bel et bien marché. Belle s'est fait bouffer par la plante vache. Ah, c'est direct. Hein. Alors là, j'ai jamais vu un truc aussi, aussi direct. Soyez pas tristes, les filles. La semaine prochaine, c'est vous, une de vous deux. Ah, je suis tellement dégoûtée. La seule brune. Déjà, la seule brousse, elle est morte tout de suite. Et la seule brune qui restait, il a fallu qu'elle tombe. Non, mais... quelle idiote cette Belle. Elle est belle, mais elle est pas très intelligente, hein, faut le dire. Hein. Regardez comme elle est belle, cette petite plante vache. Elle sait pas ce qu'on lui reproche, alors elle comprend pas. Voilà, l'âme de Belle est fauchée. Nous avons son urne. Et c'est comme ça qu'on finit. Déjà, la demi-finale, c'est Cendrillon qui récupère toutes les tombes. Alors que la faucheuse va faire joujou avec la plante vache. Vas-y, bouffe la faucheuse, bouffe la faucheuse. Mange le gâtal, la faucheuse, qu'on rigole un peu, non? Enfin bref, elles en seront servies, ces plantes vaches, je suis contente. C'est là-dessus que moi je vais vous quitter, j'espère que cette demi-finale vous aura plu. La semaine prochaine, c'est donc la finale de ces Hunger Games of Sims édition Disney. Si ça vous plaît, je referai une troisième édition, mais par contre, il va falloir que je trouve un autre thème qui me plaît. N'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la chaîne. Je vous en remercierai jamais assez. Je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine pour la finale. Ciao !